Bonjour à toutes et à tous, amis Vierges. Comme vous le savez sûrement, nous aurons une pleine lune le 16 mai 2022 à 6h14 en métropole, qui sera dans le signe des scorpions, mais aussi nous aurons une éclipse lunaire. Alors ce sera le moment idéal. Pour plonger en soi, pour regarder d'où l'on vient, le chemin que l'on a parcouru, les étapes que l'on a franchies, mais surtout se mettre à l'écoute de ses émotions. En effet, la pleine lune, d'autant plus en scorpion et accompagnée de cette éclipse lunaire, vous invite vraiment à vous connecter à votre émotionnel parce qu'elle va faire remonter en surface beaucoup de choses de l'inconscient pour vous permettre de les couper, de les libérer. On va regarder dans ce tirage justement ce que les lunes vous amènent à travailler, ce qu'elle fait revenir du passé et l'objectif à atteindre en faisant ce travail. Vous aurez un message de l'oracle d'Hildegarde si vous avez l'habitude de regarder mes taroscopes, vous connaissez déjà cet oracle. Et je terminerai avec un jeu de cartes dont vous n'avez pas l'habitude, en tout cas dans mes. Dans mes vidéos YouTube. Euh, ce n'est pas un message comme dans l'Oracle dile de c'est plutôt un axe de travail. Mais je vous en dirai plus au moment euh, d'aborder de, 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 cette carte. En attendant, passons au tirage. Alors, elle fait remonter la carte 14, cette lune, cette pleine lune qui est euh, la carte communication et échange, qui est celle de la tempérance dans euh, l'ancien tarot de Marseille. Alors, ici, dans la mesure où c'est ce qu'elle fait remonter et dont vous devez vous libérer et euh, travailler et accompagner avec la carte du soleil, on va regarder le côté plutôt euh, négatif de ces cartes, si on peut appeler ça négatif. Ici, pour moi, il y a un problème de communication. Il y a un problème de dans la manière dont vous vous présentez aux autres. Alors, attention, ce n'est pas forcément avec tout le monde, mais ça peut être avec certaines personnes ou dans le contexte euh, familial euh, ou, euh, ou dans, dans, dans vos amis ou certaines personnes en particulier. Il y a une façon de vous mettre en avant qui peut euh, trop éblouir les autres. Ça ne veut pas dire que euh, c'est vous qui avez tort, hein. mais votre façon de vous mettre en avant est trop éblouissante, trop envahissante pour certaines personnes. Et il y a un besoin de baisser un peu votre luminosité. Vous voyez, sur cette carte du Soleil, eh bien, le Soleil à l'extrême, il éblouit. Il aveugle, hein, on le voit bien si vous regardez le soleil, ben c'est impossible, et puis il brûle. Quand on regarde cette carte euh, communication-échange, on voit cette oie qui regarde vers quelque chose de très lumineux, et avec son aile, on pourrait presque voir qu'elle se cache un peu, pour... parce que cette, cette luminosité pourrait presque l'éblouir. Euh, en tout cas, c'est ce qui m'apparaît moi ici quand je vois euh, l'association de ces deux cartes. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui est un peu trop, un peu trop pour les autres. Et ça, c'est un problème parce que vous pouvez finalement être mis à l'écart, et c'est quelque chose qu'on voit ici avec la carte de l'isolement. C'est comme si euh, finalement vous éblouissez trop les autres et que... Certaines personnes vers qui vous avez peut-être envie d'aller, eh bien vous repoussent un peu, vous n'arrivez pas à vous intégrer, à vous approcher, vous avez l'impression qu'elles vous fuient ces personnes-là. Il n'y a pas de, de méchanceté ou, ou d'ego démesuré, il n'y a pas forcément cette question d'ego démesuré, mais vous éblouissez trop. Voilà, c'est comme ça. Il y a peut-être, c'est peut-être dans la façon que vous avez de, de vous présenter, mais ça peut être dans vos paroles aussi. Hein. Peut-être que vous mettez en avant certaines facettes de vous qui sont réelles, mais qu'en le faisant, vous ne le faites pas de la bonne manière et que les autres se sentent euh, inférieurs ou moins bien que vous. D'accord En tout cas, cette pleine lune fait remonter ça à la surface. Il y a quelque chose dans vos échanges, dans votre communication. Euh, qui n'est pas équilibré qui n'est pas fluide. on vous demande ici de baisser un peu l'intensité de, de vous remettre un peu au niveau des autres. alors attention quand je dis vous remettre un peu au niveau des autres ça ne veut pas dire qu'il faut vous abaisser au niveau des autres mais il faut trouver un juste milieu. voilà ça c'est important parce que ce qu'on fait revenir du passé c'est cette notion de d'isolement hein, d'enfermement de, de solitude ici. il y a quelque chose qui vous exclut. Alors peut-être que c'est même vous qui euh, vous mettez finalement en retrait. Hein. Peut-être que cette façon de, de vous mettre en avant, c'est aussi une façon de vous rassurer, vous, euh, parce que euh, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Et que du coup, c'est une forme de protection que d'essayer de, de mettre en avant euh, tous vos points forts. Hein. D'accord Mais ce n'est peut-être pas la meilleure des façons. Ici, il y a vraiment euh, une notion de protection, donc il y a quelque chose de très bénéfique. On voit que vous êtes pourtant tourné vers les autres, vous êtes bienveillant, mais avec cette carte de l'adversaire, on voit qu'en face, c'est un peu compliqué parce que on ne vous perçoit pas euh, toujours de la bonne manière. C'est comme si vous, vous vous y alliez avec plein de cœur, plein d'amour, mais vous êtes tellement éblouissant que euh, bah, l'autre en face se sent agressé. Alors, on va recouvrir cette carte de l'adversaire parce que, ici, c'est ce que la Lune attend de vous, le résultat qu'elle attend une fois que vous aurez compris ce mode de fonctionnement et que vous aurez réussi à vous en libérer. Donc, ces adversaires, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus La lumière, on revient sur le soleil. Ici, on vous dit clairement de ne pas éteindre votre lumière. Vous êtes euh, lumineux, vous êtes rayonnant et pour certaines personnes, vous êtes un rayon de soleil. Mais parfois, dans certains contextes, c'est un peu trop, c'est un peu too much. Il faut que vous arriviez à jauger. Hein, en fonction du contexte, en fonction des personnes avec qui vous êtes, parce qu'il y a certaines personnes que ça dérange. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous changiez et que vous éteigniez votre lumière parce que surtout pas, vous êtes une belle personne, une belle âme, mais c'est quelque chose qui peut vous porter préjudice. Donc revoyez votre mode de communication, revoyez... Euh, votre façon d'être avec les autres, votre énergie, votre rayonnement, et dans certains contextes, essayez de trouver un juste milieu, un équilibre pour que tout soit fluide et que tout le monde se sente à sa place. Alors on va regarder le message de l'oracle d'Ildegarde. Vous avez la carte 17 qui correspond à l'étoile. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Alors ça, c'est quand même pas banal qu'on nous parle encore une fois de lumière avec deux cartes de soleil et une carte ici où on voit un soleil qui brille. Donc connectez-vous à votre lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Oui. Alors après, peut-être que dans certains cas et pour certaines personnes, ce soleil, il n'éblouit pas et il n'est pas trop fort, mais il est effectivement éteint en vous. Et vous n'arrivez pas à allumer cette lumière et vous restez en retrait. De toute façon, quand on a un, 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 une difficulté comme ça euh, de communication ou d'échange, euh, soit c'est qu'on éblouit trop, soit c'est qu'on n'éblouit pas assez, qu'on qu a une lumière éteinte. Mais même quand on éblouit trop souvent, c'est pour ne pas montrer que finalement, au fond de soi, on a un manque de confiance. Donc je pense qu'il y a vraiment une chaleur, quelque chose à l'intérieur de soi à refaire naître dans des proportions... Euh, tout à fait correcte et pas excessive. Euh, et une fois qu'on l'a en soi, on peut le partager, le faire rayonner tout en douceur et dans l'équilibre. Ça, c'est important. On va regarder le message. Donc ce jeu, c'est euh, les cartes du bonheur d'Alexandre Lucas. Il me semble que ce jeu n'est plus disponible à la vente, malheureusement. En tout cas, euh, c'est un jeu très intéressant parce qu'il y a deux façons d'entendre le message que je vais vous lire. Soit... C'est un encouragement parce que vous avez déjà euh, entamé ce travail, ce parcours, vous êtes déjà dans cette voie et euh, on vous dit bah, c'est bien continue tu es sur le bon chemin soit on vient pointer du doigt, vous mettre en avant un point à travailler. vous allez voir c'est une phrase positive pour vous faire comprendre quelque chose donc que vous n'ayez conscience ou pas ou que ce soit déjà votre chemin c'est un message important pour cette nouvelle lune. Le message est ⁇ Oui, j'aime la vie ⁇ Alors ça peut paraître un message un peu lambda, un peu court, pas très explicite, et pourtant quand je vois votre tirage, euh, cette notion de communication d'échange qui est remise en avant parce qu'il y a quelque chose ici à travailler à libérer cette notion ici de solitude alors que vous êtes tourné vers les autres eh bien peut-être que parfois effectivement euh, c'est difficile de se dire qu'on aime la vie parce que on se sent seul et on ne comprend pas forcément pourquoi donc dans ces moments de doute on se connecte à sa lumière intérieure pour qu'elle puisse rejaillir sur les autres mais surtout oui, j'aime la vie. Tous les matins, je vous invite à, à, au réveil, en vous levant, à vous dire merci la vie trois fois. C'est vraiment une ouverture, une énergie que l'on dégage euh, vers l'univers, très positive, très douce et très bienveillante. Je vais terminer par euh, des conseils. En fait, ce tire, ce, cet oracle d'Ile de Garde ici, avec euh, ces arcanes-là, nous donne des, des soins en lithothérapie, donc avec euh, les pierres. Donc, je vais vous donner les pierres qu'elle associe avec la carte 14 communication-échange. Si ça vous parle, vous les gardez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Alors, en lithothérapie, la calcédoine bleue débloque l'expression des personnes timides. L'apatite verte bleutée améliore la qualité de la voix de l'orateur, alors que l'apatite bleue incite l'auditeur à une meilleure écoute et compréhension. L'aigle marine possède à elle seule les qualités des deux apatites. Donc vous voyez, vous avez quatre pierres la calcédoine bleue, l'apatite verte bleutée ou l'apatite bleue et l'aigle marine. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à vous procurer ces pierres et à les avoir avec vous. Euh, ça peut être une aide pour euh, cette pleine lune du 16 mai. Voilà, j'espère que ce tirage vous euh, aidera, vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous, si ça vous correspond, si, si, vous, si vous sentez euh, ces, ces points revenir, euh, remonter à la surface à l'approche de cette pleine lune. Euh, en tout cas, vous avez tous les outils maintenant pour travailler dessus. Merci pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos partages. C'est chouette d'avoir cette communauté. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche vraiment. Donc merci du fond du cœur. Pour les nouveaux, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et puis euh, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications aussi des prochaines vidéos quand euh, elles seront publiées. Et puis en attendant, ben, je vais vous souhaiter beaucoup de courage, euh, mais je suis sûre que vous l'avez, pour faire ce travail. Sachez que la vie nous ramène toujours euh, sur le devant euh, ben, les, les, les points euh, que nous avons à travailler, jusqu'à ce que nous, ayez, nous ayons compris euh, le message et que nous ayons entamé et, et, et terminé ce travail. Donc si c'est pas pour cette pleine lune, eh ne vous inquiétez pas, la, la vie vous le remettra sur votre chemin pour que vous puissiez euh, travailler ça. Donc, c'est l'occasion en cette pleine lune d'amorcer ce travail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée. Et puis, amis vierges, je vous dis à très bientôt!